Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés ce soir pour célébrer la résurrection du Christ et pour appeler sur nous la puissance de Dieu, qu'il manifeste sa bonté envers nous et envers tous les hommes. À vous qui êtes ici ce soir dans la cathédrale, à celles et à ceux qui s'unissent à notre prière par la télévision et la radio, et à tous ceux que vous portez dans votre cœur au moment où nous approchons pour célébrer l'Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais, ni de corrompu sur ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Justice.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur. » Aplanissait sa route. Jean portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Et il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain
en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion et n'allez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comment aurions-nous pu rester insensibles aux paroles du prophète Isaïe que nous venons d'entendre quand il annonce le monde nouveau que l'avènement du Messie, rameau sorti de la souche de Jessé, la venue du Messie doit établir parmi les hommes. Les signes de ce monde nouveau, le loup habite avec l'agneau, le veau et le lionceau sont nourris ensemble, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Autrement dit, un monde duquel la violence aura été éliminée au profit de la justice qui est la ceinture de ses hanches et de la paix dont il est le prince. Comment serions-nous insensibles à ces paroles quand nous sommes inondés jour après jour de nouvelles du monde qui manifeste que ce nouveau monde n'est pas encore arrivé. Et même l'émotion suscitée par la mort de Nelson Mandela reflète cette aspiration des hommes, non pas simplement en faisant honneur au courage et à la détermination de ce résistant, mais surtout en rendant hommage à la capacité qu'il a eue au moment où il en avait le pouvoir avec de Klerk de ne pas transformer sa victoire en vengeance, de ne pas transformer l'évolution de son pays en un temps de massacre. Comment y serions-nous insensibles alors que jour après jour, nous prions pour le père Georges qui a été enlevé au Cameroun? Comment y serions-nous insensibles alors que des soldats français sont partis
pour essayer de s'interposer en République centrafricaine pour éviter que le massacre ne se poursuive jusqu'à l'extinction totale de ce pays. Oui, aujourd'hui, nous avons la certitude que la violence n'a pas été éliminée de ce monde. Mais comment pouvons-nous comprendre alors que Jean-Baptiste nous dise « Le royaume des cieux est tout proche » en annonçant la venue du Messie? Comment allons-nous célébrer dans la nuit du 25 décembre la nativité de Jésus comme l'avènement du Messie? Comment est-il possible que ni son incarnation, ni sa mort, ni sa résurrection n'aient suffi à transformer le monde, comme le prophète Isaïe l'avait annoncé? Serait-ce que Dieu a manqué à sa promesse? Serait-ce que la venue du Christ n'était pas l'avènement du royaume des cieux en ce monde? C'est une question à laquelle notre foi est confrontée. Siècle après siècle, tant de siècles, et la paix n'est pas encore arrivée, et les hommes continuent de se dresser les uns contre les autres, et le désir de domination continue d'habiter les cœurs. Si nous voulons entrevoir un chemin pour sortir de cette question, c'est évidemment autour de l'appel de Jean-Baptiste à la conversion que se trouve ce chemin. En effet, il ne suffisait pas que le Christ vienne sur terre. Il ne suffisait pas qu'il fasse des signes et des miracles. Il ne suffisait pas qu'il donne un enseignement plein de sagesse avec puissance et autorité. Il ne suffisait même pas qu'il meure et qu'il ressuscite pour que les cœurs des hommes soient transformés. L'avènement du Messie n'est pas un événement magique qui transforme le monde sans que les hommes eux-mêmes soient appelés à changer. Il ne va pas établir le royaume des cieux contre l'humanité, mais avec l'humanité. Et c'est pourquoi, avant même qu'il ne naisse, avant qu'il ne commence sa mission publique, Jean-Baptiste appelle à la conversion. Et c'est cette attente, ce désir qui habite le cœur de tous les hommes, de voir grandir un monde nouveau de justice et de paix, qui pousse les foules de Jérusalem, de la Judée, de toute la région du Jourdain, à venir écouter Jean-Baptiste et à recevoir de lui le baptême de la pénitence. Mais comme vous l'avez entendu, il ne suffit pas de prendre les postures de la conversion. Il ne suffit pas de poser les gestes d'une vie nouvelle. Il faut encore que les cœurs soient convertis. Et c'est ainsi que les pharisiens et les sadducéens, venus en grand nombre pour être baptisés, sont interpellés par Jean-Baptiste, qui perçoit dans leur démarche un double langage. Ils viennent pour recevoir le pardon des péchés, mais ils n'acceptent pas de transformer leur vie. Il s'agit pour eux non pas simplement de venir au baptême,
mais encore de produire un fruit qui exprime leur conversion. C'est ce fruit de la conversion que nous sommes invités à produire génération après génération, et c'est ce fruit de la conversion qui donne les premiers signes de l'avènement du royaume des cieux en ce monde. Quels peuvent être ces signes de la conversion? Nous en avons en tout cas une illustration très belle dans l'épître de saint Paul aux Romains que nous avons entendu. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. D'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, car le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'Esprit du Christ. Voilà deux règles de comportement très élémentaires qui doivent constituer la norme habituelle des relations dans une communauté chrétienne et dans une église. Comment pourrions-nous nous tourner vers Dieu d'un cœur unanime si nous ne pouvons pas être d'accord entre nous? Comment pourrions-nous espérer que Dieu nous accueille en sa miséricorde si nous ne sommes pas capables de nous accueillir les uns les autres dans nos différences, dans nos antagonismes et dans nos faiblesses? Le premier fruit de la conversion du cœur, c'est ce changement dans la manière d'être avec nos frères. Le premier fruit de la conversion du cœur, c'est cette capacité d'ouvrir notre vie aux autres, de nous rendre fragiles devant la fragilité des autres, de nous rendre capables d'entrer dans une véritable communion. Et si nous sommes animés par l'amour de Dieu, si nous sommes fortifiés par la parole de Dieu qui nous instruit pour que nous possédions l'espérance, comme nous dit saint Paul, si nous sommes fortifiés par cette parole de Dieu, alors la communion que nous ferons exister entre nous sera un signe pour la société qui nous entoure et deviendra pour elle aussi une espérance, l'espérance que les relations entre les hommes peuvent et doivent ne pas être dominées simplement par la recherche obsessionnelle de ce qui me fait du bien à moi, par le désir permanent d'exercer un pouvoir sur les autres, par la convoitise de posséder ce qu'ont les autres et que je n'ai pas, bref, par la domination de notre désir sur la force de l'amour. Frères et sœurs, en ce moment où nous voulons nous préparer à accueillir le Christ, produisons un fruit de conversion en apprenant à nous accueillir davantage les uns les autres pour donner au monde le signe que le royaume des cieux se fait proche. Amen.
Patris, et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous vivons délibérément. Ce soir, après la messe, nocturne de la crèche, réalisée par nos amis tchèques jusqu'à 20h45. Demain, lundi 9 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, fête du chapitre de Notre-Dame et du séminaire de Paris. Conséquence messe à 8h, 9h, messe solennelle à midi. 17h45, vêpres solennelles présidées par Mgr Chauvet, doyen du chapitre, avec la présence des chanoines, et nous accueillerons les nouveaux chanoines. À la cathédrale, nous aurons la joie d'accueillir le père Jacques de Longeau et aussi le père Tuilier que nous connaissons bien. 18h30, messe solennelle présidée par notre archevêque avec donc la présence des chanoines et des séminaristes du diocèse. Mardi 10 ainsi que mercredi et jeudi, ces trois jours, les messes auront lieu dans le chœur. Jeudi, adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir qui sera dite en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe. Et après l'adoration, nous nous rendrons en procession à la chapelle de la Guadeloupe. Vendredi 13 décembre, ostension de la Sainte Couronne d'Épines après la messe du soir. Par ailleurs, quelques informations. Vous aurez noté sur votre agenda que jeudi 19 décembre à 19h30 jusqu'à 20h15, trois quarts d'heure, aura lieu la remise solennelle des actes du colloque scientifique Notre-Dame de Paris 1163-2013. Il vous souvient que ce colloque réussi a eu lieu au Bernardin au début du jubilé. Nous avons donc dès maintenant, ce qui est rare, un beau et fort volume de 656 pages que vous pourrez acquérir dès ce soir-là, 19 décembre. Et des interventions fortes seront proposées sous la présidence de M. Giraud et du chanoine Sicard. D'autre part, mardi 10 décembre à 20h30, mardi prochain, concert de clôture du jubilé de Notre-Dame pour ce qui est de la saison musicale, avec les Vêpres de la Vierge, création de Philippe Hersant avec la maîtrise, les sacs boutiers, l'ensemble de Toulouse, les cuivres, et puis Olivier Latrie, Yves Castagnier et Lionel Sault. Un grand moment en perspective, prenez donc vos places d'ici mardi soir. Enfin, je vous rappelle que chaque dimanche à 17h, une conférence d'avant, parole d'avant, est donnée par le chanoine Dupont-Fonville pour nous préparer ainsi à Noël. Et puis vous avez la feuille de, justement des célébrations et des offices de Noël et du concert de Noël le 23 décembre et aussi les heures de confession. Il est bon de s'y préparer à Noël en recevant le sacrement de la réconciliation. Nous pouvons nous mettre debout pour terminer notre célébration eucharistique. Plein de reconnaissance, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère eucharistique le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Ah.